Salut les tankistes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. L'event de Noël vient d'arriver, c'est Noël. On va regarder ça ensemble, c'est parti. Event de Noël. Alors il est tard, j'enregistre. Ça dort à la maison, donc voilà. Il y aura deux vidéos. On va se faire une petite vidéo présentation de l'event de Noël assez rapide là maintenant, décryptée. Et ensuite, une deuxième vidéo un peu plus tard, quand j'aurai la boîte à gold qui sera pleine, pour voir si on tape des boules à neige. Event de Noël comme tous les ans. Et la musique et tout, c'est une horreur. Event de Noël comme tous les ans, on va retrouver les enchères. Il y aura plein lots, il y a 4 lots. 4 semaines, donc 4 lots. Donc vous cliquez sur le lien et comme toujours, vous les prix diminuent toutes les 24 heures. Premier lot, on a M60, un Badger, un TL120, T26E5, Turtle, objet 252, type 62. Aujourd'hui, là, les tanks que j'ai regardé vite fait tout à l'heure, les tanks sont chers. Donc voilà, le 5, il a été vendu 5000. Celui-là, celui-là, il était aussi vendu à 5000. Souvenez-vous, la chaîne fonctionnait. Type 62, léger de rancet, donc voilà, je vous laisse voir, à vous de voir quels prix sont les prix juste pour vous, Badger, éventuellement, pourquoi pas, si les prix vous le permettent. Attendez-vous à voir dans les 2e, 3e, 4e lots, un T22, peut-être un V4-90, l'Object 207, les choses comme ça. En ce qui concerne le main event de la vidéo, ben voilà, c'est ça, comme tous les ans, on a des coffres à gold, on en prend 5, ça fait dépenser 7500 gold, on a une 6e qui est offerte, et on va pouvoir voir si on a des boules à neige. Donc voilà, on va regarder tout de suite, la boule à neige c'est 10%. Bon, souvenez-vous que, voilà, c'est quand même, il y a des aléas, il y a des tanks qui peuvent spawner, donc c'est plutôt pas mal si vous avez le tank, vous obtenez aussi à chaque tirage 3 tics qui vous permettent de progresser en vue du Chrysler K. La boule à neige ici, elle est à quelque chose comme 10%, en ce qui semble. À chaque fois que vous avez des tickets, du coup, vous progressez, vous en gagnez aussi en jouant. Il y a deux main events cette année. La nouveauté, c'est qu'on a un tier 8, le Chrysler K. Je vous invite à aller voir la vidéo du tank qui est vraiment bien, qui est donc dans ce main event. Deuxième chose, ben c'est la boule à neige, mais là il faut beaucoup plus de victoires pour pouvoir l'avoir gratos, et elle coûte cher. Deuxième chose, ben on a les coffres Free XP, où là le taux de drop de la boule à neige c'est 2%, donc 2%, c'est vraiment, là, si vous la chopez là-dedans, vous êtes vous êtes très bien. Dans les boules à neige, il y a beaucoup de tanks cette année, donc voilà. Beaucoup de tanks, donc il y a du choix, donc voilà, on va regarder si ça veut bien descendre. Non, ça ne veut pas descendre, donc il va falloir faire comme ça. Tous les tanks, donc carreau, STRV, bon, il y a les classiques tier 10, hein, qui tous les ans, les collecteurs reviennent. Le main event, c'est celui-là, c'est le XM66F, donc c'est un TD lourd américain avec un bon blindage frontal, plutôt bon DPM, plutôt agréable mobilité. Voilà, bon, ben, pourquoi pas. Il a l'air d'être sympa, avec un gros canon, bien. Dans les tiers 8, bah ouais, vous chopez un tiers 8 là-dedans, un tiers 10, pardon, les tiers 10, il y en a pas mal. L'avantage, c'est que si vous chopez un tank que vous avez déjà, forcément, ça vous ramène de l'or, donc c'est plutôt pas mal, vous pouvez en jouer. Après, il y a des tiers 9, on peut voir le 452K, le 752, TL720 et le VZ114. Et puis, il y a pas mal de tiers 8. Et sachant qu'il y en a beaucoup qu'on j'ai déjà, celui-là j'ai acheté, celui-là je l'ai eu, celui-là je l'ai eu aussi, le Tendre que j'ai eu cet été, le Bourrasque sur le SM que j'ai eu une année aussi dans cet event, Scorpion, puis il y a les petits nouveaux, donc Hawk 30, bon voilà, je suis pas fan, je vois pas l'intérêt de voir un RU 251 en premium avec un tout petit peu plus de blindage frontal qui va vous épargner des HE qui pénètrent. Pour un petit peu moins de mobilité, si je ne m'abuse. On a le KPZ07RH, qui est un moyen qu'on a vu dans des coffres uniquement jusqu'à présent, le Charlemagne aussi.
pas exceptionnel. Voilà. Bon, c'est des titans qui sont neufs, qui sont nouveaux. Bon, c'est sympa de les avoir gratos si vous les avez dans la boule à neige. Caliban, j'espère qu'il va venir bientôt en shop parce que bon, bah, celui-là, pareil, pourquoi pas, il m'intéresse. Mais après tout, pas à un prix exorbitant. Après, ben voilà, on a les classiques Chimera 54-2, M4 Yo, SU-130 PMT-77. On a les classiques, hein, Dracula, Helsinki, Smasher, Annihilator, Pharaon. Ils ont pas mis le Forest, je pense qu'il sera l'année prochaine. Et on a aussi l'Aston Rex. Donc, ouais, il y a du choix dans la boule à neige. Donc, voilà, écoutez, hein, c'est plutôt. Voilà. Alors, nous, on a combien? On a pratiquement 950 000 points d'XP, de free XP, donc dans les certificats. Ah ouais, connectez-vous, hein, n'oubliez pas de vous connecter pour récupérer vos certificats de l'IS2 Shielded. Donc voilà, on va utiliser un, parce qu'on en a récupéré pas mal, plus 350K, et encore un deuxième, et plus 350K, et voilà, puis on va balancer cela, donc ça fera, attendez. Je vois bien, on est à 1 651 000, 651, donc on va faire 1 000 000. Hop, 651, ça va faire 654 et 7 et 3, 1 657 000. Voilà, donc on est là, 658, oh, trop cool. Allez, on va ouvrir une vingtaine de coffres comme ça. Les coffres comme ça, alors bon. Dedans, on a du gold, on a des petits tanks. Alors, les petits tanks de rang 3, j'espère que je vais pas les avoir parce que l'an dernier, j'ai vu le T120, T127. J'étais très content, sauf que j'ai jamais pu le jouer parce que le matchmaking ne permet plus de rentrer dans les games de rang 3 ou alors seulement après un temps de queue lamentable. Donc, on va regarder ça. Et puis voilà, boule de neige à 1%. Si on l'a vraiment, ça veut dire que quelqu'un dort avec madame dans le lit conjugal. Allez, c'est parti! Hop! Ah, est-ce qu'on le fait avec les yeux ouverts? Ouh, c'est pas mal! Ouais, allez! Plutôt pas mal! Un petit peu de gold. On va jamais avoir encore la boule à neige, je pense qu'on l'aura pas là-dedans. Parce que on est déjà un cinquième. Se faire un coffre. Oh, c'est plutôt cool, on récupère du gold. Je me dis pas qu'il y en a à chaque fois parce que j'y crois pas. Il y a 2000 gold, hein, qui vont venir pour ceux qui ont comme moi le petit cube, là le frigo, le truc, le cadeau de glace qu'on avait un petit peu plus tôt dans l'année. C'est pas mal, s'ils ramènent du gold à chaque fois, cela c'est plutôt bien. Ouais, ok. 1 300 000, 1 200 000, non, 1 000 000. Oh, bien, plutôt pas mal. 1 000 000 maniné. On va s'ouvrir jusqu'à près 500 000. Voilà, donc il va nous rester encore 700 000 à ouvrir. 7, ça fait 7 fois 2, 14. Encore 14 coffres. On va jamais l'avoir, cette boule à neige, moi je vous le dis. Mais si on top du gold, ah, je suis content. Un petit peu plus tard, je ferai la vidéo avec les ouvertures de coffres pour du gold. Sauf si ce soir j'ai une petite boule à neige, mais je n'y compte pas. Vous connaissez ma chance dans les coffres. Je n'aime pas ça du tout. Je préfère dépenser le gold pour des tanks. Quand ils sont là, qui sont là. Ouh, ça c'est bon. Quand ils sont là, qui sont là. Ah, premier, 100 gold. Voilà, j'en ai le tank gratuit, je l'avais ouvert, j'ai eu ça aussi. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus trop de gold. Bon, écoutez, c'est bien, il me prend. Hein. Allez, 850. Bon, on va jamais l'avoir la boule à neige là-dedans, parce que de toute façon, à mon avis, il faut avoir une chatte. Incroyable, plutôt pas mal. On vient de récupérer, 3 000 de gold. Vous savez quoi? On va s'ouvrir deux caisses rouges. Hein. S'ouvrir. Ouh, cool. Bah, c'est bien, mais bon, je vais jamais pouvoir le jouer. C'est un peu dommage. Allez. Encore. Encore deux. Allez, on va se faire encore deux. Un, deux, bien. C'est plutôt pas mal. Allez, encore une. Bon, pas de boule à neige, hein, vous avez vu. Mais il y a quand même eu pas mal, pas mal, pas mal, pas mal de gold. Alors, pas de boule à neige. Merci les amis. Ouf, ok, je l'avais déjà. Donc, on va s'en ouvrir une comme ça. Et on va voir ce que ça donne. On a récupéré ben, 2500, 3500 points de gold. Allez.
un peu plus tard dans une prochaine vidéo pour voir. Ouais, bah, visiblement, les coffres XP étaient beaucoup plus intéressants. Allez, un petit dernier. Bonne nuit, les amis. Ciao, ciao, ciao. Ouais, voilà, rien du tout. Allez, bye bye.